Allez, c'est quand tu veux. Allez, on mène encore. Lâche les avant. Du frein, plus de frein. Voilà, allez, grand pas, on appuie devant, mets de l'appui. Voilà, regarde, lève un peu la main gauche. Voilà, voilà. On commence à freiner là, et top, on freine à fond maintenant, qu'on est en train de passer à petite butte là, et tu t'arrêtes là, c'est super. Je voudrais que ta temporisation soit encore plus marquée, enfin, tu vois, que le freinage soit encore plus marqué, parce qu'elle était limite quand même de te passer devant. Elle n'est pas passée, mais elle était limite. Regarde devant toi, t'as pas besoin de la regarder. Voilà. Arrête-toi là. Ok, continue. Relax line. Break more. And run again. It's very good. Just a bit more on the right. So left. Yes, perfect. And you can start to break and full break. It's perfect. C'est quand tu veux. Ah, vas-y, coude, attends là. Ah, c'est un petit peu lâché les avant un peu tôt, mais c'est pas grave. Regarde où tu veux aller. Voilà, c'est toi qui es le pilote. Va vers ta cible. Regarde ta cible. Freine à fond, voilà. Alors, le gonflage, si on reprend, tu pars vraiment fort. Après, tu vas le payer un petit peu derrière. Tu pars vraiment fort, par contre, tu lâches les avant très tôt. Et après, on va essayer de détendre un petit peu la progression. Enfin, on va accélérer de manière plus progressive. Mais après, globalement, tous les mouvements sont là. C'est juste qu'il faut être plus progressif. Voilà. Tôt aussi, il lâche les avant. Relève un peu les mains. Voilà. Elle va venir. Voilà, ça y est, elle est au-dessus de la tête. Allez, on continue. Là, tu peux mettre un tout petit poil plus de frein. Voilà, c'est parfait. On va reprendre juste la phase vraiment mise en mouvement, gonflage. Tu étais parti un petit peu fort, comme la voile elle est légère, elle s'est un peu fermée sur les deux bouts d'elle, mais le reste après, je pense que ce qui s'est passé derrière, c'est la conséquence de ça. Ok, wait for the wing, wait, it's coming, and break, more break. Yes. So try to put your body front of you, try to be heavier. Ok, and we'll full break there. You can stop there. Et on court après, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Allez, n'aie pas peur. Allez, encore. Lâche les avant. Avance. Cours. Voilà. Allez, cours encore. Freine à droite. Bien. Attends là. Encore, attends là. Voilà. T'as lâché encore un petit peu tôt. Pas grave. Allez, la position des mains, c'est mieux là. Hein. Allez, à droite. Voilà. Regarde pas ta voile. Regarde où tu vas aller. Garde du frein à gauche. Voilà. Un petit peu difficile sur l'axe de tangage. Là, il y a de nouveau un petit peu devant. Vraiment l'empêcher de passer devant. Voilà, elle ferme, c'est trop tard. Dès que tu sens que ça court et qu'il n'y a plus rien derrière, c'était un peu le cas sur toute la descente là. Hein. Bah tu mets un peu de frein, moi je préfère l'avoir retombé derrière, c'est pas grave, mais par contre devant c'est pas bon. Allez, reste en avant, lâche les avant, frein, encore, ouais bien, reste en avant, voilà, doucement, tranquille Julie, tranquille, laisse faire, voilà, reste à fond, arrête de bouger les mains. Dès que tu voles en fait, le problème c'est que t'as les mains qui bougent dans tous les sens, t'as été surprise parce que d'un coup le mouvement il est tellement parfait que tu te retrouves en l'air. Et après tu dis mais j'avais pas prévu, mais si, le parapente c'est fait pour voler, pas pour courir au sol. Allez, emmène là encore, regarde loin devant, lâche les avant, frein. Allez, lève la main gauche, baisse la main droite, frein à fond, frein. Voilà, garde du frein, voilà. T'es mieux, t'es bien penché en avant, c'est cool. Par contre, au niveau de gestion du tangage, tu dois avoir un peu plus de... Voilà, là c'est bon. Un peu plus de frein dès que tu sens que ça va vite, quoi. Voilà, attends là, voilà, lâche, regarde tes mains, voilà, on reste penché, mais les mains elles se rapprochent un peu des oreilles, voilà, c'est mieux le frein là, ah tu te remets debout,
Reste à fond. Reste à fond, arrête-toi là, ça fait moins long à remonter. Alors le gonflage, t'es toujours beaucoup avec les bras, donc ça on va refaire pareil mais avec les bras plus cool. Et après, si tu restes en avant, t'auras pas ces mouvements de bras qui descendent dès que ça vole. Donc si tu veux, là, dès que t'as commencé à sentir que t'es limite de voler, au lieu de rester en avant comme on en parlait tout à l'heure avec Julie, bah toi tu t'es remis droit et donc chaque fois que ça vole, t'as les pieds qui partent un peu en avant et forcément par réflexe les mains qui descendent. Donc ça c'est facile à corriger. Donc on va commencer par les bras. Ok, it's coming. Relax, little break, and front of you now. Put your body front, more front. Okay, stay like this. Just a little bit more on the right. And full break when the ground is arriving. It's perfect, except the position of your brakes, because you have too much brake. Okay, and the next time you will make half brakes, and it will be okay. Just. Okay. Again. No. Stop. Yes. Brake now. Brake. Okay. It's perfect. Keep braking. Need more brake when you are near the ground. And full brake now. Là, je fais un tout petit pas en arrière, c'est juste histoire de passer avec le bord d'attaque. D'accord ? Et les mains, elles partent. En tout cas, moi, j'ai pris l'habitude de partir avec les mains derrière et d'accompagner pendant la montée. Je pars, j'attends que ça revienne à la face, là. Pas à travers droite, sinon je vais me couper. Ça, c'est pas mal. Et je pars, juste, je l'attends. Voilà. Et là, je suis en avant, là. His hands off. Land on the zone. What's like this? Allez, on emmène tout doucement encore. Là, t'as lâché. Là, ça finit par y aller, mais tu vois, c'est tout encore. On garde du frein pour pas qu'elle passe devant. Enfin, la position, c'est mieux par contre. Tu peux rester en avant même quand ça vole. Hein. Voilà. Voilà, nickel. Ah, c'est mieux là. Tu lâches toujours encore un peu tôt, mais c'est mieux. Ah, fais attention quand tu arrives en bas, il faut que tu sois en bas. Les freins soient en bas quand tu touches le sol. Toi, c'est pas normal qu'elle ferme comme ça quand tu touches le sol. Ça veut dire que tu étais très limite en t'engage. Ça passe, hein, mais voilà, faire attention. Mieux et reste comme ça. Eh ben parfait, encore plus. Voilà, va chercher l'appui encore, c'est parfait ça. Ben voilà, relève tout doucement les mains, tout doucement. Non, relève-les, fais-moi confiance. Voilà, tout petit peu à gauche, doucement. Commence à freiner, reste comme ça et à fond. C'est marrant hein, comme d'un coup ça marche. Allez, on emmène encore, va dessous à gauche. Voilà, et là on relève les mains, voilà, c'est super. Encore. Là, tu sautes. C'est pas bon. Deux fois, tu sautes. Ça passe parce que t'es physique, mais normalement, on doit faire un pas de plus. Regarde ta cible. On n'oublie pas de freiner quand le sol arrive. Hein. Ah, c'est comme en voiture. Une fois que t'as tapé le mur, ça n'a rien de freiné. Bon, c'est pas grave. S'il y a que ça à corriger, c'est pas grand chose. Hein. Ah, c'est mieux. Regarde pas devant. Voilà, frein. Et là, plie tes coudes. Voilà, rapproche un peu tes bras des épaules. Ah oui, aussi, ça me plaît. Ça marche pas trop mal, hein, finalement. Doucement. Détends les bras. Détends à fond les bras. Complètement. T'es tendu. Vas-y, plus cool dans les progressions de bras. C'est pas grave si tu passes au-dessus de la cible. C'est pas grave. Ça finira par reposer, hein. Voilà. Doucement. Allez, reviens un peu à gauche. Encore. Et tu poses travers là. Voilà, à fond. Reviens à gauche. Voilà. À gauche. Va chercher le sol. Voilà.
quand tu arrives pas, tu vois, là, si tu arrives pas, reste à fond. Yes, again, yes, break, more break. Okay, and now you go in the direction of the target on the right. Break, yes. Okay, you can stop there, Finlay. Okay, again, release. And now, big step. Yes, you have a little, you have too much brake. But it's difficult to. Yes, sir. And full brake now. Full brake. When you run, you have too much brake. So try to put your arms 10 centimeters higher, and it will be okay to fly. Regarde loin devant. Voilà. Allez, lâche les avant, un peu de frein. Allez, encore, grand pas, encore. Tu sautes toujours un petit peu, mais c'est pas très grave. Regarde loin devant, regarde ta cible. Et c'est toi qui vas dessus. Voilà, regarde loin devant, lève la tête. On oublie la cible, on continue à regarder au-delà de la cible. Ah, c'est bien. C'est beau. Il y a une grosse progression là entre le premier et celui-là, rien à voir. Allez, encore. Va dessous, lâche les avant, du frein. Voilà, va dessous, freine à droite, va dessous, avance. Relax. And big step again. Yes. Perfect, Finlay. Keep your brakes there, it's okay. Just a bit break when the ground is arriving. And full break now. It's perfect. Yes, nice. So now, voilà, emmène-la encore, attends-la, pousse-la, attends-la, encore, voilà, là au frein. Eh ben voilà, allez, on va vers la cible maintenant, regarde ta cible, sinon tu ne vas pas dessus. Relève la main gauche. Voilà, bah c'est super ça. Je te laisse finir tout seul, t'oublie pas qu'on finit les deux mains tout en bas avant de toucher le sol. Ouais, bah voilà, pareil que Finlay, on va monter plus haut dans la pente. Voilà, on reste comme on a laissé d'avant, en avant. Voilà, lâche les avant, un peu de frein. Voilà, et grand pas maintenant. Allez, penche en avant, appuie, mets de l'appui encore. Alors, freine, attends, doucement avec les mains. Reste comme ça, et à fond, et on arrête-toi là. Reste à fond. Elle va supporter ça, la voile, t'inquiète. Voilà, arrête-toi là, ça fait moins noir monter. T'as été surpris que ça monte, et surtout que, comme t'avais le bras droit un peu en dessous, c'est parti à droite, ça t'a surpris avec le sol, et là, dès que t'es surprise par le sol, tes bras ils bougent super fort. Pour éviter ça, faut que tu le regardes qu'il soit plus loin. C'est le sol qui t'impressionne. Ah, c'est mieux là. Allez. Et c'est toi qui fais ton plan de vol. Attention, plie un peu les coudes, rapproche un peu les bras du corps. Plie les coudes, voilà. Ouais, toi là. On va monter, hein. Mais ce que je voudrais sur les essais après, c'est que tu, avant de partir, tu te concentres en te disant « je veux absolument que le haut de mon corps il soit super détendu ». Dès que tu te rapproches du sol, tu as des mouvements de bras qui sont un peu parasites et c'est ça qui empêche un peu ta voile de voler quand tu es près du sol. Après, dès que tu es en l'air, ça va mieux. Mais près du sol, tu l'as un petit peu comme Julie. Ok, stop. Ok, it's coming. Release, little break and big step. Again. You have too much brake now. Yes, it's better. And full brake when the ground is arriving, yes. And you can stop there. Okay, when we'll be a little bit higher, we'll have time to let the glider fly. You have too much brake for the moment. But for the rest, it's okay. Va dessous. Ouais, non, c'est bon. Allez, doucement. Encore, garde du frein. Ouais, limite. T'étais très limite, là. Et voilà. Regarde loin devant toi, regarde pas. Voilà. Dès qu'on regarde devant, c'est moins stress. Hein. Et à fond, c'est parfait. On va monter aussi. Break. Yes, ok. It's perfect. Ok, slowly hands up. Give the speed to the wing. And we go to the left.
a little bit more on the left. Okay, stop. Take a look on your right in the direction of the target, and you turn in the direction of the target. Start to brake and wait, foot brake before the ground. Yes. Good job. Voilà, c'est mieux là. Allez, grand pas, encore. Voilà. Relève les mains, donne-lui de la vitesse tout de suite. Pour l'instant, on va tout droit. Ouais, pour l'instant, on va toujours tout droit. Et on va rester tout droit. Donc, je te laisse faire le freinage final tout seul. Ouais, c'est pas mal du tout. Hésite pas à lui laisser un peu de vitesse, tes freins sont un tout petit peu courts. Donc voilà, c'est peut-être c'est la vitesse, j'aurais à dire quelque chose, mais sinon nickel. Ouais, frein encore, ouais, c'est bien. C'était mieux là. Allez, tout de suite on lui redonne un petit peu de vitesse. Voilà. Pour l'instant, on va tout droit comme ça. Tu peux partir à droite vers les arbres. Allez, on relève la main gauche, on baisse la main droite. Vas-y encore. Descends encore la main. Voilà. Faut que ça tourne. Passe pas devant le chemin, reste derrière le chemin à droite. Allez à droite encore. Encore à droite, faites encore, voilà. Et top, on revient à gauche. Allez, encore à gauche, t'as le temps, encore. Commence à freiner, et à fond. Ben, t'as le temps en fait avant de tourner. Hein. Donc la cible, on est d'accord, hein, c'est juste un repère, c'est pas un but en soi. Break. Okay, so a little bit faster, hands up slowly. Okay, and now you go on the left. Not anymore, it's okay, straight on. Take a look on the target on the right, but you wait before to go on right. And now you go to the right. You stay back of the little way. More on the right, slowly. And straight on like this. And on the left, start to break. And full brake, full. Be careful, you have the, when your glider is going left, right, don't try to correct it with the brakes, just let fly straight on and it's okay. Wait for the glider, wait. And big step, again. Slowly hands up, again, hands up, pull. And now you go on the left, pull. And now take a look on the right in the direction of the target, and you go on the right again. Start to brake, and full brake. Okay. Ouais, pas mal. Ah, c'est pas grave. Voilà. Allez, derrière. Stop, elle est derrière. Alors il va être instructif celui-là à la vidéo. Voilà, on attend. Hein. Allez, encore. Tu la maintiens. Voilà, lâche. Et là, tu la remets dans la pente. Un peu de frein. Parfait. C'est beaucoup mieux. C'est mieux, c'était pas facile à gérer. Tu gères tout seul ton plan de vol. Si tu vois que tu vas être haut, bah, tu fais un petit S. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Bah c'est bien, c'est nickel, c'était pas facile. Tu t'enlandes un peu la pente parce que ça met un peu du temps à partir. Mais c'est bien. Garde du frein, voilà. Là, à la fois ça te ment. On va se concentrer sur ce qu'on a à faire. On part un peu à gauche. Allez, pars un peu à gauche, je te laisse pas avancer. Et là on repart à droite. Voilà, allez, on reste légèrement derrière le chemin d'abord. Encore, voilà. Et là, tu peux rentrer tout doucement en freinant symétrique. Voilà, tu vois, ça pousse bien, nickel. Le départ, en fait, tu pars en même temps que toi, tu vois, elle shoot un petit peu, elle rentre dans une masse d'air qui monte, je crois, une aérologie un peu particulière, c'est ça qui t'éloigne du sol. Si ça t'arrive encore, voilà, tu gardes un peu de frein pour être sûr qu'elle ne ferme pas. Tu es près du sol, donc il ne faut pas que ça ferme. Allez, on emmène encore, lâche les avant, un peu de frein, grand pas en avant, voilà, penché comme ça, c'est parfait, encore, on va y aller, encore, insiste,
Et bien un tout petit peu plus les matins, un petit peu trop train, voilà. Ah, ça y est, laisse voler comme ça, et on va peut-être devoir refreiner pour la petite butte, hein. Voilà, c'est pas grave. Reste freiné à fond, ça fait moins loin à remonter. Voilà, reste freiné à fond à toi là. Peut-être que tu le vois comme un échec parce que t'as pas volé, mais en fait je t'ai fait partir juste après la rafale, donc derrière c'est un peu plus compliqué en aérologie. Et puis t'avais un petit peu ce coup de un peu trop de frein ou pas assez d'engagement au début, c'est les deux font qu'il manquait un petit peu de vitesse. Mais par contre au niveau de la gestion du tangage, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure avec la rose. Donc on va garder celle-là pour l'instant. Yes. Big step, again, 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 again. And fold your hands, put it on your ears. Yes, it's much better. Closer of the ears, closer of the ears. And a little bit left, in the direction of the target. More on the left, right hands up. Yes, again on the left. Like this. Strain on. Start to break. And full break. You should have your hands closer of your arm and shoulder. It's too far. But for the rest, it begins to be okay. Voilà. Attends là, elle monte. Voilà, frein. Et là, détends les bras. Voilà. Grand pas encore, hein. Voilà. Et on va continuer même un peu plus à gauche. Voilà. Éloigne un peu les bras du corps. Voilà. Reviens un peu à droite. Voilà. Top, pas plus. On va droit vers la cible, comme ça. Je te laisse finir tout seul. N'oublie pas qu'il faut être freiné à fond avant de toucher le sol, hein. Et à fond. Ouais, bien. C'est un tout petit peu tard le dernier, mais c'est bien. Le dernier freinage, j'entends. Voilà. Ouais, allez. Et remets-la dans la pente, voilà. Et là, t'accélères. Alors, je pense que t'iras pas en bas parce que je t'ai fermé encore. T'es pas dans l'axe de pente là. Voilà, t'iras pas en bas parce que t'es pas dans l'axe de pente justement. Mais ça passe. Regarde ta cible. Voilà, parfait. Je savais que t'irais pas, enfin que ça volerait pas tout le long, mais par contre j'ai trouvé que la gestuelle était jolie parce que toi tu pars complètement de travers. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il fallait la mettre un tout petit poil plus dans la pente encore et c'était parfait. Yes. And direct a bit on the left. Hands up slowly. More speed. And now you go on the right side of the slope, slowly. Left hand up and right down. Okay, turn on the right, more on the right. And you go straight in the direction of the target. You will try to break alone. Perfect. Nice. Allez, on mène là encore, on reste penché en avant. Allez, encore. Lâche les avant. Et on reste comme ça, plie un peu les coudes. Voilà, et grand pas. Allez, charge encore devant, charge encore. Voilà, tout doucement, tu relèves les mains. Tout doucement. Encore, relève les mains. Voilà. Allez, on commence à freiner à fond quand le sol arrive. C'est quand tu voles, dès que tu te retrouves en l'air, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Le seul truc que tu as, c'est les pieds, c'est les freins. Et donc, tu freines la voile, ses performances deviennent mauvaises. Et donc tu peux plus aller jusqu'en bas. C'est juste un problème de freinage dès que tu as décollé en fait. Look far away. Don't look the glider, yes. And slowly you fold your arms and you go on the left. Again on the left. Again. A little bit more on the left. It's not turning there. Turn, yes. And now you turn on the right. You go back to the right. On the right again to be front of the wind. Yes, and like this, start to break and full break. It's perfect, Paul. Nice. So we go a bit higher than Gena, and we'll work again from this place. Allez, tout seul ce coup-ci, hein. Ah, détends les bras, voilà. Et tout de suite, non plus, attends, regarde loin devant. Toi qui dois te poser la question de savoir quand tu vas devoir revenir vers ta cible. Si tu reviens maintenant, ce sera trop tôt. Mais regarde ta cible et pose-toi la question. C'est bien.
Ah, petit frein. Là, c'est dommage. Ah, ça, c'est un truc que tu fais. C'est pas la première fois. Tu freines une fois que tu as posé. Alors, essaye de le faire en deux temps. On en reparle tout à l'heure. On va travailler que ça d'en bas. Je vois le sol arriver. Je commence à freiner. Donc, je mets mes mains un petit peu en dessous des épaules. Je vais poser mon pied par terre. Je pose mes deux mains sous les fesses. Allez, on emmène encore. Lâche les avant. Et on se penche en avant. Et grand pas maintenant. Encore. T'as un peu trop de frein. Pas plus de frein que ça. Relève un peu les mains. Voilà. Et regarde loin devant. Lève les mains. Laisse de la vitesse. Descends la main gauche. Lève la main droite. Allez, encore à gauche. Encore à gauche. Vers les gens là-bas, vers les arbres. Allez. Voilà. Regarde ta cible. Et on va pas encore vers la cible. Attends. Allez, on repart à droite, carrément à droite. Allez, encore à droite. Lève la main gauche, baisse la main droite. Encore. Top. Et on revient à gauche. Commence à freiner. Et à fond. Ouais, c'est mieux là. C'est mieux. Là, c'était mieux. Tu vois, en regardant devant, t'es plus paniqué du tout là. Ah, trop tôt. Trop tôt. Même que tout à l'heure. Allez, maintiens là encore. Là, tu peux lâcher. Voilà. Et ben voilà, c'est nickel. Et on détend les bras et même on rapproche un peu, on plie les coudes et on rapproche. Voilà. Bien le long du corps. Doucement. Un petit peu trop là. Allez, repars tout doucement à droite. Peut-être tu dois poser en virage, hein, c'est pas grave. Ah, c'est bien. Il manquait juste les jambes en bas, mais bon, voilà. Alors après, il y a aussi un truc qu'il faut pas non plus négliger. Il y a un peu de fatigue qui commence à s'installer aussi. Hein, donc, c'est pour ça qu'on se met à l'intermédiaire, là, maintenant. Hein, Julie, on va se remettre à l'intermédiaire aussi. And run again. Okay, and slowly you put your hands up, give the speed. Okay, and now you go on the left, really on the left. Okay, again. And now on the right, now. Look on the right. Stay back of the leader way. Like this. Just wait. Stay on the right. Cool. Start to break on the left slowly on the left. Start to break symmetrically and full break. Yes. Just be careful, don't break too fast on the right or on the left. Allez, encore, lâche les avant, un peu de frein, allez, on avance. J'ai pas dit d'aller plier, tu peux nettoyer mes lunettes. Yes, perfect, Finlay. And now you can go. Look for the target and full break there. Yeah, stop there. Okay, and like the other ones, we'll close the gliders near the tree. Ah bah ça me plaît mieux déjà. Ah, attention les bras, détendus. Puis les regarde comme ils sont tout tendus. Ah, attention. Ouais. Toi, t'as encore les bras vraiment à l'équerre. Regarde loin devant. Voilà, mieux. Va dessous. Voilà. Bien. En fait, ouais, bien. Là, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle est passée devant, mais tu as tout de suite senti, tu as tout de suite réagi. Et même si tu peux estimer peut-être que c'est un échec, non, pour moi, c'est vraiment top. Vas-y, cool. Lentement. Voilà. Allez, là, ça y est, elle vole. Ah, nickel. Bon, tu iras pas en bas, c'est pas grave. Hein. On vise la. Voilà, tu gères le tangage, par contre, là c'est parfait. Ah, c'est bien, c'est nickel. Allez, regarde-moi, encore, parfait. Lâche les avant, un peu de frein, lâche les avant. Nickel, encore. Lève un peu les mains, continue à courir. Baisse un peu la main droite. Ouais. Un frein des deux côtés, Voilà, allez, encore, grand pas. Oui, encore. Allez, à droite, lève la main gauche, baisse la main droite. On va vers la cible. Allez, encore, lève la main droite, la main gauche. Allez, encore, avance. Lève les deux mains. Va dessous à gauche, baisse la main droite. Va dessous à gauche, va dessous. Superbe, là.